encore là aujourd'hui live. We zijn er weer vandaag live. Aujourd'hui c'est le 28 mars 2022. Vandaag is 28 maart 2022. Bienvenue à Jérémie 33 verset 3. Appelle-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Acclamons les évangiles. Alors je suis avec un disciple Cécilia. Amen. Je mes disciples Cécilia. Vraiment je vais faire encore au nom du Seigneur. Van Jezus Christus. Alors peuple de Dieu, avant qu'on rentre dans notre prédication. Voor van God, voordat we binnengaan in onze prediking. Alors, je voulais danser, mais oui, le temps est court. Ik wou dansen, maar de tijd is kort. Tu as raison, on va commencer directement. Je hebt gelijk, we gaan direct beginnen. On ferme les yeux, peuple de Dieu. We gaan de ogen sluiten, volk van God. La connaissance et la sagesse nous remplissent. Zodat de kennis en de wijsheid ons zal vervullen. Abba Père, toi tu es notre Seigneur. Abba Père, toi tu es un. Abba Vader, u bent onze Heer. Abba Vader, u bent één. Abba Père, je te rends grâce. Abba Vader, ik loof u en ik zeg glorie aan u Heer. Gloire et louange à toi. Glorie aan u Heer. Car les jours d'aujourd'hui, tu nous as donné l'occasion et la force, la grâce. Want vandaag gaf u onze gelegenheid, de genade en de kracht. Et aujourd'hui on dit merci Seigneur. En vandaag zeiden wij dankjewel Heer Jezus Christus. Tout ce qu'on va écouter, Seigneur, alles wat we gaan horen vandaag. Soit la lampe dans notre vie. Dat het licht mag zijn in ons leven. À toi l'amour. Aan u de liefde. La grâce. De genade. La connaissance. De kennis. De génération à génération. Van generatie tot generatie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Volk van God. Laisse-moi demander quelque chose. Laat mij nu iets vragen. Est-ce que les dots et les mariages coutumiers sont bibliques ou is non? Is de bruidsgaat en de traditionele bruiloft bijbels of niet? Les dots de et les mariages coutumiers sont bibliques ou non? En de traditionele bruiloft, is het bijbels of niet? Beaucoup demandent comme ça toujours. Velen stellen mij deze vraag. La réponse. De antwoord. C'est oui. Is ja. C'est oui. Het is ja. Amen. Mais il faut comprendre maintenant. Maar je moet nu begrijpen. Très bien, écoutez-la très bien. En heel goed luisteren. C'est pourquoi bienvenue à Jérémie 33 verset 3. Appelle-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, on va rentrer maintenant dans les livres de Genèse chapitre 2 verset 24. We gaan nu binnen in het boek van Genesis hoofdstuk 2. Je vais lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ik ga lezen in de machtige naam van Jezus Christus van Nazareth. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Ik lees de naam van Jezus Christus, Genesis hoofdstuk 2, vers 24. Amen. Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar zou worden. Halleluja. Amen. Alors, ils seront pas deux, mais ils deviendront un. Dus ze worden niet twee, maar ze worden één. Mais les dots, d'où viennent les dots? Maar van waar komt de bruidschat? On va lire dans la Bible et on va comprendre. We gaan lezen in de Bijbel en we zullen begrijpen. Alors on est toujours dans les livres de Genèse. We zijn nog steeds in het boek van Genesis. Chapitre 31, verset 14. Hoofdstuk 31, vers 14. Écris là, s'il vous plaît. Schrijf het op, alsjeblieft. Je vais lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rachel et Léa répondirent, lui dit. Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Amen. Amen. Ik lees in de naam van Jezus Christus. Rachel en Lea zeiden, wij gaan met je mee. We hebben hier niets meer te zoeken en we zullen ook niets ervan van onze vader hebben. Hij heeft ons behandeld als vreemden en ons verkocht. Van dat geld is al niets meer over. Alors, ça, on appelle ça la dot charnelle. Dat noemen we de uiterlijke bruidschat. Alors, quand Jacob était parti dans la maison de la famille de Rachel et Léa. Wanneer Jacob naar het huis ging van de familie van Rachel en Léa. Alors, il a trouvé des femmes jolies et il voulait marier. Daar vond hij schone vrouwen en hij wou ze trouwen. Il n'est pas parti seul. Hij is niet alleen geweest. Il est parti avec sa famille et pour demander les mains. Hij is gegaan met zijn familie om het hand te vragen. Quand ils ont demandé, toen ze gingen vragen, après ça, il a donné des présents, daarna gingen ze cadeautjes geven.
Et après ça, un jour, il fallait partir de cela pour amener ses filles. En ooit moesten wij er weg om de meisjes mee te nemen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Spreek ik tot iemand? Alors ici, Rachel et Léa, il dit, notre parent, on n'appartient plus à la famille, on est déjà vendu. Hier zeiden Rachel en Léa, we behoren niet meer tot onze familie toe, we zijn al verkocht. Quand notre mari a donné l'argent de dot. Want onze man heeft al het geld gegeven van het bruidschat. Ça veut dire, c'est fini, vous êtes vendu. Dat betekent, het is gedaan, jullie zijn verkocht. Mais, laisse-moi te dire. Maar laat me jou iets zeggen. On peut pas vendre une femme. Je kan geen vrouw verkopen. Amen. Amen. L'amour, on peut pas vendre. Liefde, l'amour ne peut pas, ce n'est pas verkopen, l'argent. Want liefde heeft geen geld. Personne peut dire je t'aime et je te. Elle coûte combien? Niemand kan zeggen ik hou van haar. Hoeveel kost zij? L'amour. C'est une chose que tu sens éternellement. Liefde is iets dat je eeuwig voelt. L'amour, c'est la force de l'unité. Liefde is de kracht van de eenheid. Quand l'homme de Dieu ici, ou bien l'esprit de Dieu a dit que il nous a vendu, c'est le Saint-Esprit qui nous a expliqué quelque chose et portait ici, on va comprendre. Wanneer het woord hier zegt, hij heeft ons verkocht, daar wil de Heer ons iets belangrijks laten zien. C'est vrai, les deux femmes là, ils étaient vraiment vendus. Het is waar, die twee vrouwen werden werkelijk verkocht. Le père n'a rien à voir avec les deux filles là. De vader heeft nu niks meer te maken met die twee vrouwen. Parce qu'on marie seulement une seule femme et pas deux. Want we trouwen alleen maar met één vrouw, niet twee. La Bible veut nous dire quelque chose. De Bijbel wil ons hier iets laten zien. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Spreek ik tot iemand? Alors les deux femmes, ils ont dit, notre parent nous a vendu, alors on va partir maintenant avec toi. Die twee vrouwen zeiden, onze ouders hebben ons verkocht, dus wij gaan nu met jou mee. Laisse-moi te dire. Laat me jou iets zeggen. Comprends bien ceci. Begrijp dit goed. La parole parle toujours de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Het woord spreekt altijd over Jezus Christus van Nazareth. Halleluja. Nous, quand on va marier quelqu'un, on n'a pas besoin de payer. Als wij iemand gaan trouwen, hebben we het eigenlijk niet nodig om te betalen. C'est le symbole. Het is een symbool. C'est le symbole qu'on fait. Het is een symbool die wij doen. Mais ce n'est pas obligatoire. Maar het is niet verplicht. Car l'amour, on n'achète pas. Want liefde verkoop je niet. Un papa qui vend sa fille, alors ça veut dire il n'a pas l'amour de elle. Een vader die zijn dochter verkocht, betekent hij heeft geen liefde voor haar. C'est un symbole que merci beaucoup vraiment. La vraie alliance est dans le cœur que les deux là sont vraiment amoureux. Het is een symbool van dankbaarheid, want de echte liefde is een symbool van die twee houden van elkaar in hun hart. Alors si vous écoutez que sans le dot, ma fille ne sortira pas, alors c'est qu'elle pense seulement à l'argent. En als je hoort zonder bruidschat, dan kan mijn dochter niet weg. Dat betekent die persoon denkt alleen maar aan geld. C'est obligatoire devant votre Seigneur. Verplicht voor de Heer de faire les dot d'abord les dot spirituelles. Om de spirituele bruidschat te doen. Qu'est-ce que la dot spirituelle? Wat is de spirituele bruidschat? La dot spirituelle d'abord il faut se marier et alliancer d'abord dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De spirituele bruidschat betekent een verbond vormen in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Et d'avoir l'amour vrai. En de ware liefde te hebben. Sans doute. Zonder twijfel. Car il y a seulement une seule personne qui nous a racheté. Want er is maar één enkel persoon die ons heeft herkocht. Il a payé un grand prix. Hij heeft een grote prijs betaald. Lui vraiment il a payé pour nous. Hij heeft dus echt betaald voor ons. Par son sang. Door zijn bloed. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons très fort, acclamons zijn naam très fort. Is Jezus Christus van Nazareth. Halleluja. Jésus-Christ est le seul qui a payé pour nous. Jezus Christus is de enige die voor ons heeft betaald. Vous n'avez pas besoin de payer. Jullie hebben het niet nodig om te betalen. Si tu aimes ton mari, als je van je man houdt, il faut avoir seulement des respect d'abord. Moet je alleen maar eens respect hebben. Et que la famille vont décider comment ils vont demander pour que leur fille, une fille, c'est un diamant. Zodat de familie zal beslissen, want het meisje is een diamant. Parce que quand une fille sortira de la maison, la fille retournera en esprit d'abord dans son côte. Want als het meisje uit het huis gaat, gaat ze eigenlijk in geest terug naar haar plaats en dat is de rib van haar man. Laisse-moi te dire la vérité, en esprit ça passe comme ça. Laat me jou het zeggen, in geest gebeurt het zo. Si vraiment quelqu'une a trouvé quelqu'un ou quelqu'un a trouvé quelqu'une vraiment, vraiment avec l'amour, les deux là ne deviendront pas deux mais ils seront un. Als werkelijk
natuurlijk man en vrouw zich vinden, gaan ze niet meer twee zijn, maar één worden. C'est pourquoi on a lu dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 24. Daarom hebben we gelezen in Genesis hoofdstuk 2 vers 24. Dan nog maar lezen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ils deviendront une seule chair. Daarom zal de man zijn ouders verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en ze zullen één worden. Mais pour devenir un, vous avez quelque chose important, l'amour. Vrai. En om één te worden hebben jullie iets belangrijks nodig, ware liefde. Laisse-moi te dire quelque chose, il y a beaucoup de gens qui fait pas l'alliance mais ils habitent déjà ensemble. Laat me je zeggen, sommige mensen doen geen verbond maar wonen al samen. Avant de devenir un seul chair avec quelqu'un, il faut faire une alliance. Voordat je één wordt met iemand moet je een verbond vormen. Beaucoup ils fait seulement l'alliance coutumière. Velen doen alleen maar de traditionele verbond. Jésus-Christ nous a mariés. Jezus Christus heeft ons getrouwd. Il a payé les dot. En hij heeft de bruidsschat betaald. Les dot là c'est son sang. De bruidsschat was zijn bloed. Et nous sommes maintenant plus du monde, mais nous sommes maintenant de Jésus-Christ. Van de wereld, maar we zijn nu van Jezus Christus. C'est pourquoi la parole dit ce n'est pas moi qui vis. Daarom zegt het woord, het is niet ik die leeft. Mais c'est Christ qui vit en moi. Maar het is Jezus Christus die in mij leeft. Galates chapitre 2 verset. Galatos 2:20. Merci beaucoup évangéliste. Dankjewel évangéliste Simon Ivan. Écris là Galates chapitre 2 verset 20. Ce n'est pas moi qui vis maintenant. Schrijf het op Galates 2 vers 20. Het is niet meer ik die leeft. Il faut comprendre pourquoi Rachel il a dit notre papa a payé un grand prix. Je moet begrijpen waarom zei Rachel onze vader heeft een grote prijs betaald. Il parle spirituel, il parle ici de Jésus-Christ. Je spreekt hier over Jezus Christus, dat is spiritueel. Parce que on marie pas deux femmes. Want we trouwen niet twee vrouwen. Parce que ici Rachel et Léa étaient des femmes de qui? Want hier Rachel en Léa, van wie waren zij de vrouwen? De Jacob. Van Jacob. Jacob, le nom de Jacob, ça veut dire quoi? Jacob, de naam van Jacob betekent wat? Israël. Ça veut dire quoi? Wat betekent Israël? Le peuple de Dieu, acclamons très fort. Alléluia. Alors Jacob représente Jésus. Jacob representeert Jezus. Il a payé un grand prix pour prendre toi pour ses femmes. Om jou als vrouw te nemen voor hem. C'est pourquoi la Bible parlait de pluriel et non de singuliel. Daarom spreekt het woord over meervoud en niet enkelvoud. Oui, on a dit pluriel. Pluriel en singulier. Quoi, pluriel? Pluriel. Ça, c'est ça. Amen. Donc, il n'a pas dit singulier, mais il a dit pluriel. Ok. Amen. Alors, il était Rachel et Léa. Ils représentent le monde entier. Daarom, het was Rachel en Léa, en zij représenteren de hele wereld. Que Jacob nous a racheté par un prix très, très cher. Dat Jacob heeft ons herkocht door een dure prijs te betalen. Bienvenue à Jérémie 33, verset 3. C'est pourquoi il faut bien comprendre la parole. Daarom moet je het woord goed begrijpen. Oh, Dieu étant aimé le monde, il a donné son fils unique pour nous racheter. Amen. God heeft zoveel van de wereld gehouden dat hij zijn enige zoon gaf om ons te herkopen. C'est pourquoi nous sommes maintenant plus dans des familles. Rachel a dit, notre papa il n'a pas d'accès Amen. Maintenant. Daarom zei Rachel, onze vader heeft geen toegang meer, we behoren daar niet meer toe. Je prie pour toi que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Que les liens de la famille, ça termine. En ik wens voor jou dat je gelooft in de Heer en dat de familiebloedlijn zal breken. Car Rachel et Léa, ils ont dit, nos papa, bye bye, nous appartient à toi, Jésus. Amen, want Rachel en Léa zeiden, papa, bye bye, wij behoren Jezus toe. Celui qui a la sagesse comprend. Degene die wijsheid heeft, zal begrijpen. Mais, il faut comprendre, Dieu, quand il a créé Adam, Adam était triste et il a dit, je vais te faire la joie. Maar je moet begrijpen, toen God Adam schiep, Adam zei, ik ben trist en God zei, ik zal je gelukkig maken. Alors, il a fait comme papa Sadis et maman Nana. En hij deed net als papa Sadis en mama Nana. Et papa Sadis était dormi. En papa Sadis was aan het slapen. Et quand il a vu maman Nana et maman Nana fin. En toen hij mama Nana zag, mama Nana deed. Après ça, papa Sadis a dit, merci Seigneur. En Nana zei, papa Sadis, dank u Heer Jezus. Acclamons très fort, acclamons très fort. Amen, clap voor de Heer. Ça, c'est l'amour vrai. Dat is ware liefde. Quand Christian a vu servante Alexandre. Toen Christian Dines Alexandra zag. Tu sais la voix de papa Christian était un peu licht, léger. De stem van papa Christian was een beetje licht, zacht. Mais quand il est maintenant avec son côte. Maar nu dat hij met zijn rib is. La voix est devenue sauveur. De stem is zo zwaar geworden. Peuple de Dieu. Peuple van God.
et tu vas voir ce qui est bizarre, vous n'avez jamais vu. Wat raar is, heb je nooit ontdekt en gemerkt. Beaucoup qui sont mariés vraiment ensemble, ils rassemblent toujours. Velen die echt zijn getrouwd, lijken ze soms op elkaar. Les nœuds commencent à être la même. De neus begint op hetzelfde te lijken. La voix. De stem. Et vraiment vous êtes devenus. En jullie zijn nu één geworden. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternité. Volk van God, Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Cherchez vraiment la vraie amour. Zoek de ware liefde tegenover jouw vrouw of jouw man. Ça sert à rien de regarder gauche à droite. Het maakt niet uit om links en rechts te kijken. Évitez, dis interdit tes yeux de regarder les autres, tu es déjà un avec ton mari. Vermijd het en verbied je ogen om te kijken naar anderen, want je bent één met jouw man. Regarde la terre, est-ce qu'il ne supporte pas la neige, la pluie? Kijk naar de aarde, supporteert het niet om lekker regen of lekker sneeuw te hebben? Une fois j'ai parlé avec la terre, j'ai dit, est-ce que toi tu aimes vraiment la froid là? Eén keer ging ik spreken met de aarde, ik zei, hou je echt van deze kou? Tu sais ce que la terre a dit? En weet je wat aarde heeft gezegd? Martin, je souffre beaucoup. En ze zei, Martin, ik leid, ik ben aan het lijden. Mais il faut que je supporte. Maar ik moet supporteren. Parce que si je supporte pas tout le monde, mes enfants dans le monde ils vont mourir. Want als ik het niet verdraag, zullen mijn kinderen op aarde sterven. Beaucoup se séparent à cause des problèmes et ils laissent les enfants devenir orphelins tristesse. Velen gaan scheiden door problemen, maar ze laten de kinderen zomaar triest worden. Est-ce que la nature ne nous enseigne-t-il pas? Heeft de natuur ons niet geleerd? Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. C'est pourquoi prenez sérieux quand vous êtes devenu un, il n'y a pas de secret. Daarom neem het serieus, als je één wordt, is geen geheim meer. Si ta femme parle beaucoup, monte beaucoup, prends seulement une manière de l'expliquer. Als jouw vrouw te veel spreekt, dan moet je een manier zoeken om haar uit te leggen. C'est pourquoi on va retourner maintenant ici. Daarom gaan we nu terug hier. Il y a beaucoup. Alors, j'avais dit, la dot c'est dans la parole. Vous dus avez lu ça, c'est dans la Bible. Is in het woord. Jullie hebben het gezien, het is in de Bijbel. La dot normalement c'est une demandation. On appelle une ça demande. Normalement la fiançaille. OK, demande. On appelle ça le temps de la fiançaille. Dus de bruidschat is eigenlijk een aanvraag en we noemen dat de tijd van de verloving. Alors tu as dit que voici je suis sérieux et je veux votre fille. Dus je zegt nu hier ik ben serieus en ik wil jullie meisje. Après ça, il va venir un mariage grand. En dan komt een grote trouw. Beaucoup il fait les jours de la dot et les jours aussi des mariages de coutumiers. Velen doen ook de dag van bruidschap en de dag van de traditionele bruiloft. Alors, la coutume, il y a deux sortes de coutumes. Dus bij de tradities zijn er twee soorten tradities. L'autre c'est la coutume du diable. Eén is de traditie van Satan. Et l'autre est la coutume de la famille avec amour. En de andere is de traditie van de familie met liefde. Car il y a deux sortes de coutumes. Want er zijn twee soorten tradities. Si quelqu'un va se marier. Als iemand gaat trouwen. Et il dit que on a fait la coutumier. En hij zegt ja, we hebben de traditionele gedaan. Mais ils ont pas initié ça ou bien scellé ça dans le nom de Jésus. Maar ze hebben het niet verzegeld met de naam van Jezus Christus. Là, ça veut dire, mon ami, tu n'es pas encore marié. Dan betekent het, mijn vriend, je bent niet getrouwd. On peut seulement se marier devant le nom de Jésus. Je kan alleen maar trouwen voor de naam van Jezus Christus. C'est pourquoi la parole dit, le jugement dans le monde sera dur. Daarom zegt het woord, de beoordeling van de aarde zal hard zijn. Il y avait une femme, elle a dit, je suis mariée, et comme ça. Moi, j'ai dit, tu es mariée comment? Er was een vrouw die zei, ik ben getrouwd, zo en zo. En ik zei, hoe ben je getrouwd? Mais je suis chrétien depuis longtemps, mais je suis pas marié à l'église ou devant un pasteur. On est marié seulement coutumier. Ze zegt, ja, ik ben al heel lang christen, maar we zijn niet getrouwd voor de kerk, alleen maar traditionele bruiloft. Moi, je l'ai gardé, j'ai dit. En ik keek haar aan en ik zei, tu n'es pas encore marié. Jij bent nog niet getrouwd. Elle a dit, comment ça? En ze zei, hoe dat? Mais ils ont donné déjà de l'argent et tout cela. Maar ze hebben al geld gegeven en dat alles. Mon peuple périt par le manque de connaissance. Mijn volk sterft door gebrek aan kennis. On ne vend pas l'amour. Je kan liefde niet verkopen. On n'achète pas l'amour. Je kan liefde niet kopen. Réveillons-nous. Laat ons wakker worden. L'homme et la femme, ce sont pas des objets. Man en vrouw zijn geen objecten. Beaucoup, ils ont donné seulement 1000 euros. Alors ta fille est 1000 euros. Velen gaven gewoon 1000 euro, dus jouw dochter is 1000 euro waard.
waard. Toi, ta fille est spéciale. Waarom jouw dochter is speciaal? Ta fille est plus chère que l'or. Jouw dochter is nog duurder dan goud. Il n'y a pas l'argent qui va dépasser la beauté de ta fille. Er is geen geld die de schoonheid van jouw dochter kan overtreffen. C'est pourquoi réveillons-nous, peuple de Dieu. Daarom wordt wakker, volk van God. Alors, quand vous allez marier parents, donnez honneur à la parole de la vérité d'abord. Als je nu een bruiloft gaat doen, geef eerst de eer aan het woord van God. Dis à eux de se marier avec la vraie amour. Zeg tegen hun om te trouwen met de ware liefde. Et la vraie dot, c'est homme. Donne ce qui est dans ton cœur. En de ware bruidschap is man. Geef wat in jouw hart zit. Parce que si tu commences à faire de je veux une voiture, alors tu es égoïste. Want als je zo begint te doen, ik wil een auto, dan ben je egoïste. Parce que tu penses pas que ta fille va partir, mais tu penses seulement. Quand tu vas donner ça quand? Je denkt niet, ja, jouw dochter gaat weg. Ik denk alleen, ja, wanneer ga je het geven? C'est pourquoi Jérémie chapitre 10 verset 3 il dit. Daarom zegt Jérémie au hoofdstuk 10 vers 3. Je vais lire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ik lees in de naam van Jezus Christus. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Amen. Want de tradities van de volken zijn zinloos. Il y a des gens aujourd'hui, il dit non. Pour être marié, c'est inutile. On va habiter ensemble. Er zijn mensen vandaag die zeggen, ja, trouwens, eigenlijk zinloos. We gaan gewoon samen wonen. Il y a des gens qui habitent ensemble, ils ne sont pas mariés. Er zijn mensen die samen wonen, maar die niet eens getrouwd zijn. Ils ont oublié que Dieu est juste. Ze zijn vergeten dat God is rechtvaardig. Il habite dans une lumière sans péché. Hij woont in een licht zonder zonde. Tout ce que tu fais en dehors de la volonté de Dieu est péché. Alles wat je doet buiten de wil van God is een zonde. Il a dit à une chose seulement. En Adam, één ding. Fais attention. Adam, let op. Le jour que tu vas pas faire ce que je t'avais dit, alors tu mourras, ce sera un péché. De dag dat je gaat ongehoorzaam zijn, zal je sterven, want het is een zonde. Tout ce que Dieu n'a pas, tout ce que Dieu a interdit. Alles wat God heeft verboden. Et quand tu vas faire, ce sera un péché. Wanneer tu je het gaat doen, gaat er een zonde zijn en zal je sterven. Alors avant d'être ensemble avec quelqu'un de devenir un, dus, tu peux seulement devenir un par la puissance de d'accord du Seigneur. Amen. Voordat je één wordt met iemand, kan je alleen maar één worden door de macht van de Ja van de Heer. Amen. C'est pourquoi laisse-moi te dire aujourd'hui. Daarom laat me jou zeggen vandaag. Bienvenue à Jérémie 33 verset 3. Appelle-moi et je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Les nuits inédites. Vais comme et Jérémie a dit à d'être verse. Drie. Groupe mais. Ah. Et Nick Ferro. Une. Je te dis que la tequio. Zie. Die est niet. Ken. Alléluia. Amen. On est ici en Belgique, on parle deux langues. We zijn hier in België en we spreken twee Normaal talen. On parle trois langues. Normaal zijn drie talen. Wir sprechen auch Deutsch. We praten ook Duits. Aber irgendwann werde ich mal Deutsch lernen, heute nicht. Amen. we blijven met twee talen, on reste avec deux langues. Hey, Belgique est trois Trinity. Ja, België is drie Triniteit. Alors, peuple de Dieu. Volk van God. On va lire maintenant dans les livres de Hébreux. We gaan nu lezen in het boek van Hébreeën. Chapitre 12. Chapitre 13 verset 14. Hoofdstuk 13 vers 14. Hébreux 13 14. Hébreux 13 4. À Hébreeën 13 vers 4. Amen. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les impudicité. Amen. Et quoi? Les impudiques. Les impudiques. Amen. Ik lees in Nederlands. Amen. Laat iedereen het huwelijk in ere houden. Mm-hmm. Man en vrouw moeten elkaar trouw blijven. Halleluja. Wie overspel pleegt, zal door God gestraft worden. Amen. Halleluja. Respecteer. Respecteer. Respecteer quand tu n'es pas encore marié. Respecteer als je nog niet getrouwd bent. Honore la parole du Seigneur. Dan geef eer aan het woord van God. Car la crainte de l'Éternel. Want de vrees voor de Heer. Est le commencement de la connaissance. Is het begin voor de kennis. Si tu connais, tu vas pas pécher. Als je kent, zal je niet zondigen. Encadrer tes enfants. Richt jouw kinderen. Il faut pas faire la vie sexuelle avant le mariage. En zeggen, je moet geen seksueel leven ingaan voordat je trouwt. Le monde vous séduit dans des paroles vaines. De wereld verleidt jullie met zinloze woorden. Beaucoup de docteurs de la loi font, ils vous disent que c'est pas problème, fais. Vele doktoren van de wet zeggen, c'est geen probleem, doe maar. Ne le fais pas. Maar doe het niet. Fuis le mal.
Dan moet je wegrennen van het kwade. Et ne fais pas le mariage en dehors de Dieu, le nom de Jésus. En doe geen trouw buiten de naam van God, de naam van Jezus. Car si tu fais seulement coutumier, want als je alleen maar de traditionele bruiloft doet, sans le nom de Jésus, zonder de naam van Jezus, mon ami, va et fais dans le nom de Jésus parce que tu n'es pas encore marié. Mijn vriend, doe maar in de naam van Jezus Christus, want je bent nog niet getrouwd. Et si ta famille, il dit, il faut vraiment payer les dotes. En als je familie zegt, je moet echt de bruid gaat betalen. Dis à eux, il faut d'abord payer les dotes de l'amour, d'acceptation. Dan moet je zeggen, ik moet eerst de bruidsgeld van de liefde eerst betalen. C'est ça le vrai dot. Dat is de echte bruid. Le vrai dot, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les. De ware bruidsgeld is geen geld. Les maputa, tous les cadeaux. Geen liputa, dit alles, al die cadeaux. De pagne, tout cela, non. Dit allemaal hoeft niet. C'est un cadeau, oui. Bien sûr, c'est dans la Bible. Il faut vraiment être aussi dans la joie que tu prends une princesse. Het is een cadeautje, want in de Bijbel is dat ook geschreven. Je moet blij zijn dat je een prinses gaat ontvangen. Dieu lui-même n'a jamais demandé les un dixième. C'est l'homme qui a dit, je te donnerai quand j'ai reconnu que c'est toi qui m'as donné. Amen. God zelf vroeg niet in deze een tiende. Het is de mens die zei, ik zal je geven, want ik herken dat jij me dat hebt gegeven. Montre dans la Bible où Dieu a dit donner. Laat me zien in de Bijbel waar God zei, geef. Il a demandé. Hij vroeg. Seulement ton cœur. Alleen jouw hart. Il a demandé. Hij vroeg. Seulement de marcher droit. Alleen om rechtop te lopen. Il a demandé. Hij vroeg. Que tu reçois l'esprit de discernement. Dat je de geest van onderscheid zou de krijgen. Comprendre que qui m'a donné. Om te begrijpen wie heeft mij gegeven. Et dans l'état de Moïse, en in de tijd van Mozes. Il vous a obligé. Heeft hij jullie verplicht. De penser que c'est moi que je vous avais donné le travail. Om te denken dat ik heb jullie deze werk gegeven. Pensez à moi de donner un dixième. Denk aan mij om die een tiende te geven. Parce qu'il savait qu'il aura des pauvres dans la vie. Want hij wist van er zullen arme mensen zijn in het leven. Il aura des temples qu'il faut payer. En er zullen tempels zijn die moeten betalen. Des voyages que les pasteurs ils vont faire. Reizen die de pastoren gaan moeten doen. Bien-aimé, il savait que l'argent va coûter. Volk van God, hij wist dat geld zou betaald moeten worden. À celui qui a l'amour. En diegene die liefde heeft. Comprend la nature. Zal nu de natuur begrijpen. Amen. Le gouvernement, il vous fait la même chose. De overheid doet net hetzelfde. Tu travailles, il demande aussi les un dixième. Jij werkt, maar ze vragen ook zijn hun een tiende. L'impôt. De taxen. Alors, si tu ne donnes pas. Daarom als je niets geeft. Si personne donne l'impôt. Als niemand geeft. Les jours que toi tu ne pourrais pas travailler. De dag dat jij niet zou kunnen werken. Tu vas demander social. Dan ga je sociaal vragen. Mais personne a voulu donner le dixième. Maar niemand heeft hun een tiende gegeven. Alors vous tous vous mourrez. Dan gaan jullie allemaal sterven. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut comprendre. Daarom moet je het begrijpen. Il est bon de donner que de recevoir. Het is beter om te geven dan te ontvangen. Alors on retourne aux gens qui nous disent que vous pouvez habiter ensemble, c'est pas un problème. Quittez ces gens-là. We gaan terug naar de mensen die zeggen je mag samen wonen, het is niet erg. Verlaat die mensen. Timothée, on va rentrer dans les livres de Timothée. We gaan naar het boek van Timotheus. Timothée, 1 Timothée chapitre 4. 1 Timotheus hoofdstuk 4. À partir de verset 1. Vanaf vers 1. Et jusqu'à verset 3. Tot vers 3. Je vais lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Amen. Amen. Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Ici, je continue en français. Amen. Alors, des séducteurs et à des doctrines des démons. On est maintenant dans le verset 2. Vous allez nous dans le verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Verset 3, dernier verset. Verset 3, de laatste vers. Prescrivant que de ne pas se marier. Zij zullen zeggen dat het niet goed is om te trouwen. Et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. En dat je bepaalde dingen niet moet doen, zelfs al heeft God de dingen gegeven. Si tu manges ça, tu seras comme ci, comme ça, rien du tout. Als je dit eet, zal je zo en zo worden, maar helemaal niets. Jésus-Christ a dit tout ce que tu purifies dans le nom de Jésus est purifié. Jezus Christus heeft gezegd, alles wat je reinigt in de naam van Jezus Christus is gereinigd. Mais vous avez écouté ici, il y a des gens, des docteurs, ça veut dire des pasteurs qui vous disent. Jullie hebben gehoord. Habiter comme ça sans mariage. Hier betekent het, die docteurs zijn eigenlijk pastoren die zeggen
woon maar zo zonder trouw. Amen. Vous avez lu vous-même. Jullie hebben zelf gelezen. Ne l'écoutez pas. Luister niet. Amen. Alors, fais attention. Dus let op. C'est lui qui va marier. Degene die gaat trouwen. Alors va avec respect. Ga met respect. Avec l'amour vrai. Met ware liefde. Et donner un cadeau. En geef een cadeautje. Conformément à la parole de Dieu. Net als in het woord van God. Et quand vous allez marier. En wanneer jullie gaan trouwen. Même si vous êtes dans les coutumes de la famille. Zelfs als jullie in de traditie van de familie zijn. Mais regarde bien. Moet je goed kijken. Vous avez des yeux. Jullie hebben ogen. Vous avez des oreilles. Jullie hebben oren. Si il vous dit, vous, on va vous alliancer, il faut que vous deux vous sautez trois fois. Als ze zeggen, we gaan jullie een verbond vormen, jullie moeten samen drie keer springen. Ou les autres, il fait une corde ou bien une pagne ensemble, il dit, fais gauche, droite, gauche, droite. Ze gaan allemaal onder een liputa en zeggen, we gaan links, rechts, links, rechts. Sachez-le si tu es chrétien. Weet dit wel, als je een christen bent, oui. Dan moet je wegrennen. C'est ça les coutumes que Dieu n'aime pas. Dat is de traditie waarvan God niet houdt. C'est pourquoi j'avais dit il y a deux sortes de coutumes. Daarom zei ik er zijn twee soorten tradities. Coutume du diable. De traditie van de Satan. Et les coutumes naturelles. En de traditie wat die naturel is. Coutume, ça veut dire seulement ce que vous voulez que ça passe. De traditie betekent gewoon wat jij graag wil doen. Mais les coutumes du diable, pouf, scellez ça dans l'esprit mauvais. Maar de traditie van Satan is het om het te verzegelen bij de slechte geesten. C'est pourquoi quand vous allez marier. Daarom wanneer jullie gaan trouwen. Dit que on va marier devant un pasteur. Zeg, we gaan trouwen voor een pastoor. Il va nous sceller. Hij gaat het verzegelen. Dans le nom de. In de naam van Jezus Christus. Là, c'est le vrai don, le vrai mariage. De ware bruiloft, de ware bruiloft. Ensemble avec le Seigneur, nous sommes forts. Samen met de Heer staan wij sterk. C'était ça pour aujourd'hui. Amen. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, soyez là la semaine prochaine. Waarom volk van God, wees daar volgende week. On va parler des trois enfants de Judas. We gaan spreken over de drie kinderen van Judas. R. Onan. Onan. Shela. En Shela. R. Onan. Onan. Et Shela. En Shela. On va parler ça, non pas semaine prochaine. We gaan daarover spreken. Mais niet ça va venir week, la prochaine fois. Maar het gaat nog komen volgende keer. Amen. Amen. Peuple de Dieu. Volk ici, van God. On a toujours la joie. Hier hebben we altijd vreugde. Regarde maman Oran, il mérite toujours le français. Kijk, maman Oran, ze lacht altijd als ik Frans spreek. Mais c'est ça la joie des enfants de Dieu. Maar dat is de vreugde van de kinderen van God. C'était encore la première fois depuis longtemps avec disciple Cecilia. Amen. Dat was de eerste keer sinds lange tijd met disciple Cecilia. Vraiment, elle est grandie un peu. Ze is echt gegroeid een beetje. Que le Seigneur la bénit. Mocht die hier haar zegenen. Amen. Son nez est devenu comme mon nez. Haar neus is net als mijn neus geworden. Parce que nous sommes les enfants de Dieu très beau. Want we zijn de kinderen van de Allerhoogste God. Les enfants de Dieu ressemblent toujours. De kinderen van God lijken altijd op elkaar. Mais moi, je suis toujours beau que Maar ik ben altijd mooier dan apostel. Ok, peuple de Dieu, c'était ça pour aujourd'hui. God van God, het was het voor vandaag. Utilisez bien votre jour de mariage. Gebruik goed jullie dag van bruiloft. Préparez-vous vraiment dans le nom de Jésus Christ. Bereid je voor in de naam van Jezus Christus. S'il vous plaît, des familles, faites votre coutume dans le nom de Jésus Christ. En familie, doe jullie traditie in de naam van Jezus Christus. S'il vous plaît, famille. Alsjeblieft, familie. Ne regardez pas seulement des cadeaux, mais regarde que votre fille est dans la joie. Kijk niet alleen maar naar cadeautjes, maar kijk dat jouw dochter verheugd is. Peuple de Dieu. Volk van God. Toi, garçon. Jij, jongen. Je parle contre tous les garçons. Ik spreek tegen alle jongens. La fille, c'est comme un cadeau spécial. Het meisje is net als een speciale cadeautje. Écoutez-la très bien. Luister goed. La fille, c'est un cadeau spécial. Het meisje is een speciaal cadeautje. Cet cadeau-là. Vous savez les règles des cadeaux, non? Je weet toch de regels van de cadeautjes, si toch? Si le cadeau est là, ça veut dire il est réservé pour quelqu'un. Als een cadeau daar is, betekent het is voor iemand toebestemd. Il n'y a pas un cadeau sans la réservation. Er is geen cadeau zonder reservatie. Si quelqu'un a fait cadeau, als iemand een cadeautje ça veut heeft dire gemaakt, il va donner ça à quelqu'un. Betekent het is voor iemand aan iemand te geven. C'est pourquoi j'avais dit il n'y a pas les cadeaux sans une but. Daarom zei ik, er is geen cadeautje zonder doel. Ne ouvre pas les cadeaux qui n'étaient pas à toi. Open niet het cadeautje die niet van jou is. Amen.
Tu vas faire tristesse celui qui a fait son travail à emballer sa viande. Je gaat triest maken aan die persoon die deze mooie werk heeft gedaan om het goed te verpakken. Il a préparé ce cadeau pour quelqu'un autre. Hij heeft deze cadeautje voorbereid voor iemand anders. Pourquoi les ouvrir avec révolte avec brutalité. Avec violence et après ça tu laisses les papiers des cadeaux tu pars. Waarom zou je het openen met zo rommeligheid en zo laten en weggaan? C'est pourquoi le jugement de Dieu sera très dur. Daarom is de beoordeling van de Heer heel hard. Ouvre les cadeaux quand tu as demandé, est-ce que c'est à moi? Open die cadeautje pas als je hebt gevraagd, is het van mij? Et si les parents disent oui, c'est en à toi. En als de ouders zeggen ja, het is van jou. On appelle ça la fiançaille. Dan zeggen we verloving. Et là tu prendras ton cadeau. Dan mag pas pakken die cadeautje. Et tu diras merci. Dan zeg je dankjewel. Et dans cette merci tu peux donner quelque chose. En deze bedankbaarheid kan je iets geven. On appelle ça le remerciement, les dots. En we zeggen de bedankbaarheid. Dus de et tu partiras avec ton cadeau. En je gaat weg met jouw cadeautje. C'est ça pour aujourd'hui. Dat was het voor vandaag. Et soyez bénis. Wees gezegend. À la prochaine, à la prochaine. Bye bye. Soyez bénis. Wees gezegend. Ensemble avec le Seigneur, nous sommes forts. Samen met de Heer staan wij sterk. Bye bye.